premiers qui ont une question bien formalisée à proposer, s'il y en a qui veulent se lancer, c'est le moment. Moi j'ai une question. Madame. Le Nietzsche qui t'intéresse, c'est aussi le dernier, qui est celui aussi du poème. Hein, parce que les dithyrambes pour Dionysos, c'est quand même de la poésie. Tout à fait. Donc voilà, je voulais que tu me dises un peu ce que tu, comment tu percevais cette dimension poétique finale. Tout à fait. Alors ça, c'est une très bonne question. Je pense que l'évolution stylistique est une marque de l'antiphilosophie. Je ne dis pas simplement le style. C'est une chose frappante. Pour être un antiphilosophe de grande volée, il faut être un grand écrivain. Il n'y a pas d'exception. Pascal, Rousseau, Kierkegaard, et jusqu'à Lacan. Il faut être un grand écrivain. Mais ce point, et on comprend très bien, si vous voulez rendre intense un témoignage, vous n'avez pas d'autre ressource que votre ressource d'écrivain. Vous n'allez pas convoquer des témoins de votre témoignage, parce que là, on n'en finirait plus. Donc vous allez convoquer vous-même dans la ressource de l'écrit, et donc la grande antiphilosophie est toujours majestueusement stylée, y compris Wittgenstein. Si vous lisez le Tractatus, c'est une œuvre magnifique, c'est quasiment un poème en prose, un poème abstrait. Donc, tous ces gens-là sont des grands stylistes, et ils restent comme tels, ce qui les met d'ailleurs dans la position académiquement ambiguë d'être toujours en partage entre les départements de littérature et les départements de philosophie, ce qui est une situation très mauvaise à mon avis. Enfin bon, ils s'en débrouillent. Mais vous avez le Pascal des littéraires, ou le Nietzsche des littéraires, ou le Kierkegaard des littéraires. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'il y a une évolution stylistique. Il y a une évolution au fur et à mesure que le témoignage s'épure lui-même. Parce que le mouvement général de l'antiphilosophie, de l'antiphilosophe lui-même, c'est de s'épurer lui-même. Parce qu'il y a toujours des moments où il se considère comme étant encore beaucoup trop philosophe. Parce que c'est très exigeant, l'antiphilosophie. Il faut toujours réduire en soi-même la tentation de gonfler tout ça, d'en faire des concepts et tout. Il faut que le témoignage reste subtilement fidèle à lui-même. Il faut qu'il s'épure. Et alors, ce qui l'épure, c'est aussi le style. Et alors, on arrive aux lisières du poème en prose, toujours. Et il n'y a qu'à voir les rêveries du promeneur solitaire chez Rousseau. On est dans une prose d'une fluidité inégalable dans la langue française. Et chez Nietzsche, c'est pareil. Il a toujours été hanté par le poème. Mais vers la fin, il manie à la fois sa prose et sa poésie d'une façon extraordinairement subtile et raffinée, alors qu'avant, il s'autorisait quand même, quelquefois, dans l'ordre, par exemple, de la polémique ou dans l'ordre de la construction allégorique, il se permettait des choses assez costauds et quelquefois un peu boursouflées. Ce n'est pas une critique. Mais ça c'est pur. Et donc, c'est absolument vrai que le poème serait la forme ultime, quand même, adéquate à l'antiphilosophie, parce que c'est la forme qui peut le plus fortement témoigner du témoignage, justement. La question du sensible et du presque sensible. Et est-ce que Nietzsche n'est pas essentiellement un philosophe? Peut-être c'est pour ça qu'il a attiré l'attention en Allemagne sur lui. Vu qu'il y a des thèses qui parlent que sa critique à Platon et le renversement de la question de l'art et la vérité l'a conduit vers l'idée que l'art, en général, est suprême sur la question de la vérité, comme défendait la philosophie classique. Non, mais ça c'est certain. C'est certain que le privilège accordé à l'art est manifeste chez lui, mais ça on le comprend très bien, parce que à partir du moment où la vérité est plutôt question de témoignage que d'architecture conceptuelle, déjà aux lisières de l'idée que la sensibilité artistique est première. Pour ça aussi que ce sont obligatoirement des grands écrivains, et qui en général témoignent sur le fait que le philosophe, il écrit comme un cochon, etc. Bon. Et que le Bataclan des concepts, c'est vraiment pas intéressant,
qu'on dirait une grosse caisse, voilà, que c'est pas fin, c'est pas subtil. C'est un truc que vous retrouvez alors chez tous les antiphilosophes, c'est que la philosophie c'est gros. Et c'est gros et c'est en plus absolument à côté du mouvement réel. Donc c'est regarde, les textes sur Hegel sont saisissants de ce point de vue-là. C'est que finalement, Hegel, c'est un vieillard toujours rattrapé par ce qui se passe et qui court après sans jamais y parvenir. Je le voyais comme ça. C'est pas entièrement faux. C'est pas entièrement faux, sauf que d'une certaine manière, ce qui est opposé à ça est d'une autre nature. Voilà. C'est d'une autre nature, entre autres, le fait que c'est beaucoup plus proche, en réalité, d'une tension esthétique que d'autre chose. Madame. Oui, mais c'est un groupe qui avait dit justement que, qu'on passait de la littérature à la philosophie et non de la philosophie à la littérature, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que, comme si la littérature était toute, était plus importante, avait été supérieure à la philosophie. Mais je ne mettrai pas ça dans l'ordre d'une hiérarchie à proprement parler. Hein. Je rappelle ma position sur ce point, elle est quand même très, très simple. Les vérités, à proprement parler, ne sont pas d'ordre philosophique. Les vérités existent dans des champs qui sont non philosophiques. Il y a des vérités scientifiques, il y a des vérités artistiques, il y a des vérités amoureuses, il y a des vérités politiques. À proprement parler, il n'y a pas de vérité philosophique, parce que le propre de la philosophie, c'est de faire concept dans les conditions épocales qui sont les siennes, de faire concept de ce que c'est qu'une vérité. Alors évidemment vous direz, oui, ben alors c'est la vérité de la vérité. Ben non, à proprement parler, c'est pas la vérité de la vérité. C'est rassembler le système général des vérités d'une époque, de telle sorte qu'on puisse proposer un concept de la vérité à peu près adéquat à cette expérience. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait une différence de registre, de nature entre les deux. D'ailleurs, la philosophie ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas de science, d'art, etc., alors que la science et les arts peuvent exister sans la philosophie. Donc, ça n'institue pas par soi-même une hiérarchie, mais le type de dépendance n'est pas le même. Le type de dépendance n'est pas le même. Et donc, effectivement, il faut une certaine proximité à la littérature pour passer à la philosophie, pour faire la philosophie, mais la philosophie, la littérature est indépendante au regard de la philosophie. Alors, l'antiphilosophie, c'est aussi quelque chose qui toujours tente de témoigner pour le fait que ça n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a une impureté congénitale de la philosophie qui fait que les moyens du vrai ne sont pas vraiment ceux de la philosophie. Mais l'antiphilosophe tente de le dire dans une interlocution elle-même suspecte, parce que c'est une interlocution avec le philosophe quand même. Et pourquoi, si le philosophe doit être fusillé, discuter avec lui ? Ça, c'est pas logique. Et la logique, on la voit bien, c'est qu'en fin de compte, l'antiphilosophe, quelles que soient ses différences, ne va pas être identifié purement et simplement à l'écrivain non plus. Ce sera un écrivain, mais un écrivain qui sera en partage. C'est leur destin d'être dans les deux départements, du point de vue du discours de l'université à la fin des fins, par lequel tout finit, malgré tout. Tout finit toujours par le discours de l'université. Et dans le discours de l'université, il y a la philosophie, c'est la philosophie, la littérature, c'est la littérature, les antiphilosophes sont dans les deux. Voilà. Personne ne va mettre Hegel dans un département de littérature, tandis que tout le monde va y mettre Pascal, Nietzsche, Kierkegaard, sans hésitation. Et ça indique qu'il y a dans l'antiphilosophie le vœu d'une espèce de suture, quand même. De suture entre la littérature et la poésie. Suture qui crée le malaise de l'antiphilosophe, en fin de compte, parce qu'il sait très bien que s'il maintient cette idée d'une suture, il va être avalé par les philosophes au bout du compte. Ce qui évidemment lui arrive. Maintenant, personne ne doute que Pascal, Rousseau et Nietzsche font partie de la grande histoire de la philosophie. C'est le malheur posthume qui leur arrive. Et moi, je tentais de lire Nietzsche de telle sorte, un peu avant ce malheur, si vous voulez, c'est-à-dire pas en le discutant du point de vue de la philosophie, mais en ressaisissant le mouvement propre qui était le sien.
et pas comme une école de philosophie parmi d'autres. Ce qu'à mon avis, il n'est pas vraiment. Enfin, c'est injuste de le traiter comme ça. Comme c'est aussi injuste d'ailleurs de le traiter comme pur écrivain, donc on n'en sort pas. C'est plus le problème de la littérature quand même, parce que finalement la littérature advient à un certain moment. Un philosophe peut être, peut, emporté par sa passion ou son éloquence, je ne sais pas, devenir écrivain en cours de trajet. Oui, ça c'est possible, mais de toute façon, il y a la confrontation du philosophe avec l'écriture, c'est une... Mais vous voyez bien qu'à partir du moment où vous êtes dans la conviction que ce qui importe quant à la vérité, c'est ce dont vous pouvez vous-même témoigner, vous allez tirer beaucoup plus fortement du côté de la littérature que si vous pensez que c'est une question d'architecture conceptuelle. Ça rejoint ce que Kierkegaard disait par exemple, alors, je me trompe peut-être, la vérité est une passion subjective. Oui, oui, non, mais ça rejoint tout à fait ce qu'il disait, c'est ça. Et du reste, toute une partie de l'œuvre de Kierkegaard se présente en réalité comme une sorte de roman autobiographique. Absolument évident. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie de l'œuvre de Kierkegaard qui est de transformer sa vie en un roman problématique. Si je peux... il y a beaucoup d'autres questions, on va en prendre quand même. J'en poserai une en conclusion. Par là-bas, le jeune homme, la demoiselle. Là. Bonsoir. Vous parlez de l'antiphilosophe comme témoin, mais est-ce qu'on ne pourrait pas parler plutôt de prophète? Parce que j'ai l'impression que l'écrivain serait plutôt un témoin, dans le sens où il veut partager une expérience subjective. Mais j'ai l'impression que l'antiphilosophe, c'est plutôt quelqu'un qui partage une expérience qui est à la fois subjective et absolue. Et ça, c'est ce dont vous parlez quand vous dites qu'il y a une intensité du témoignage. Oui, c'est-à-dire que la comparaison entre l'antiphilosophe et le prophète, ça, elle peut se faire. Je suis d'accord avec vous. Mais ce que je pense, c'est que le prophète est quand même quelqu'un qui, de l'intérieur d'une foi, d'une conviction, témoigne au nom du futur. Et donc, la prophétie est toujours liée intrinsèquement au messianisme. Or, si vous regardez les antiphilosophes, ils ne fonctionnent pas comme ça. C'est-à-dire, il n'y a pas d'annonce à proprement parler. C'est d'ailleurs très frappant. Ils ne parlent pas au nom du futur. Ni Nietzsche, ni Rousseau, ni Kierkegaard ne parlent au nom du futur. De ce point de vue-là, il n'y a pas chez eux cette tension prophétique temporelle. Elle est ramassée sur elle-même, et à la fin des fins, il considère qu'il témoigne pour le présent pur. C'est pour ça que la thèse du retour éternel est, à mon avis, pré-nietzschéenne. Enfin, elle n'est pas complètement épurée, parce qu'elle est un peu... La thèse du retour éternel, on pourrait dire, c'est un peu une prophétie. Mais ce n'est pas exactement comme ça que ça marche, quand il l'abandonne, parce qu'à un moment donné, il n'en est plus question, en réalité, il l'abandonne, parce qu'il considère que l'intensité du témoignage doit toujours se faire au présent, justement. Et le temps véritable, c'est le présent. Excusez-moi, au sujet de Nietzsche, j'ai du mal à comprendre en quoi il témoigne pas pour le futur, que ce soit dans Zarathustra, c'est évident, mais peut-être que vous dites que Zarathustra, c'est une période qui a été dépassée à la fin, mais même dans Ecce Homo, la dimension éventuellement prophétique, elle est... Mais vous n'avez pas de prophétie véritable, même dans Zarathustra. Zarathustra se présente comme celui qui est antérieur à sa propre annonce. Donc il ne se présente pas du tout comme un prophète, Zarathustra. Si vous regardez, il y a même précisément une distinction qu'il établit lui-même entre lui-même et un prophète. Parce qu'un prophète, c'est celui qui annonce en certitude le futur. Zarathustra ne se présente pas du tout comme celui qui annonce en certitude le futur. Il annonce celui qui critique ou qui a une vision du passé, et celui qui est le signal ou le témoin de la possibilité du futur, mais pas du futur lui-même. Vous ne trouvez pas de texte où... Où Zarathustra dit voilà ce qui va se passer. Pas du tout. Quant à Ecce Homo ? Ben, Ecce Homo non plus. Ecce Homo, c'est. Ecce Homo, c'est me voilà. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est me voilà. Et après, vous pouvez, si vous me regardez bien, si vous écoutez vraiment mon témoignage, vous pourrez, vous, éventuellement, ordonner le futur à ça, etc. Mais lui, il ne le fait pas. Il n'annonce pas ce qui va se passer. Il dit simplement, je vais couper l'histoire, je vais couper en deux l'histoire du monde. Voilà. Ça, c'est sa grande formule. Je vais couper en deux l'histoire du monde. Mais sur ce que sera le monde après qu'on l'ait coupé en deux, il n'y a pas un mot.
Ce qui est important, c'est de saisir le geste par lequel lui se propose de couper en deux l'histoire du monde. D'ailleurs, exactement comme Zarathoustra, on n'est jamais sûr qu'il est vraiment en train de le couper déjà. Ce dont on est sûr, c'est qu'il est en position de faire quelque chose dont on n'a jamais eu aucune idée et qui sera une rupture absolue avec tout ce qu'on a connu. Mais le contenu de cette affaire, en dehors de ce qui est négatif, naturellement, en dehors du fait que tout ça sera après le christianisme, là, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc je pense au contraire que l'antiphilosophe retient autant qu'il le peut la tentation prophétique qu'il a certainement. Et moi, je pense que préférer être professeur à Bâle que Dieu, c'est aussi préférer être celui qui témoigne sur la possibilité de couper en deux l'histoire du monde que celui qui annonce et gère un futur improbable et irreprésentable. De ce point de vue, je maintiendrai la distinction vraiment entre... Je vous remercie de votre question, parce qu'elle permet de le faire. Comme le temps file, je vais profiter de mon privilège que je m'arroge de d'autres pour poser deux questions, peut-être les dernières. Je vais essayer d'aller aussi vite que possible. Vous vous souvenez que dans nos brefs échanges au préalable, on avait évoqué le fait, enfin j'avais évoqué le fait, vous évoquiez le fait que Nietzsche se présentait finalement comme le philosophe des valeurs. C'était un clin d'œil, je disais, oui, quasi contemporain, un petit peu postérieur à Marx, qui lui va être le philosophe de la valeur. Donc ça c'était ma première question. La deuxième, comme ça va aller très vite, c'était retour à votre incipit, à votre présentation de votre propre réception de Nietzsche, votre intérêt pour Nietzsche, qui est justement le problème de la réception de Nietzsche, donc en quelque sorte, et c'est le problème politique. De comment, au fond, d'un point de vue philosophique, vous avez tout de suite fait le distinguo essentiel entre philosophie et antiphilosophie, mais manifestement, les Nietzschéens, aussi bien que les anti-Nietzschéens, ne le font pas du tout. Voilà, c'est pas une forme interrogative, mais ce sont des questions. Oui. Alors, sur le premier point, d'abord, il faut quand même bien voir que moi, je ne crois pas du tout que Nietzsche soit un philosophe des valeurs, au sens usuel du mot valeur. Il est un philosophe de la transvaluation de toutes les valeurs. C'est ça la formule. La transvaluation de toutes les valeurs. Donc ce n'est pas du tout l'évaluation ou le remplacement de valeurs par d'autres valeurs. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'aller au-delà de la valeur comme telle. Et s'il s'agissait de comparer avec Marx, je dirais, ben Marx aussi. Parce que Marx, il s'agit d'en finir avec la valeur d'échange, finalement, quand même. Si on donne le programme de Marx dans son sens le plus... Il s'agit d'en finir avec la dictature du marché, donc avec, finalement, l'abstraction de la valeur d'échange et de la monnaie. Donc moi, je peux dire, Marx, c'est aussi la transvaluation de toutes les valeurs, enfin, de toutes les valeurs dominantes, en tout cas. Et Nietzsche, c'est ça, c'est la transvaluation de toutes les valeurs. Et ça n'est pas la proposition d'une valeur nouvelle, justement. Ça en retombe aussi un peu sur votre question. Ça n'est pas la proposition d'une valeur nouvelle. C'est un mouvement général par lequel, en réalité, l'existence elle-même va pouvoir s'affirmer indépendamment d'un repère qui serait les valeurs. Et donc, en ce sens, c'est plutôt, lui aussi, une négation de la valeur. Alors, sur ta deuxième question, moi je suis d'accord. En réalité, le Nietzsche que j'essaie d'aimer, quoi, hein, et c'est un Nietzsche qui n'est pas celui des Nietzschéens, c'est clair. D'aucun des Nietzschéens, avec des degrés, hein, c'est sûrement pas le Nietzsche des Hitlériens, mais mais c'est pas celui d'Onfray non plus. Mais c'est pas celui des Nietzschéens non plus. Voilà. Parce que les Nietzschéens exagèrent en réalité dans la figure des philosophes du soupçon, etc. Ils exagèrent l'importance de la dimension critique de Nietzsche. Bien sûr, il y a une dimension critique de Nietzsche, c'est un polémiste extraordinaire, il a critiqué toutes choses, etc. Je ne pense pas du tout que l'intérêt fondamental de Nietzsche soit dans sa dimension critique. Voilà. À part pour les Allemands. De toute façon... C'est ce qu'il a critiqué le plus, au fond. Hein? Au fond, ce qu'il a le plus critiqué, c'est les Allemands. Oui, oui. Mais même tout le monde. Tout le monde a partagé l'idée que, finalement, il y avait eu, à un moment donné,
au fond, le passage de la modernité au contemporain, enfin, à travers une critique fondamentale, qui était aussi la critique des valeurs, etc. Tout ça est vrai, d'une certaine manière, de Nietzsche, mais moi, je pense que c'est pas... Lui-même ne se considérait pas comme étant fondamentalement un critique, bien que, dans la première partie de son œuvre, ça ait une importance considérable. Et c'est l'époque où, il se considère lui-même comme un élément corrosif, comme ça, un acide des valeurs sociales. Mais c'est pas le plus intéressant. Et quant aux anti-Nietzschéens, comme ils sont anti-Nietzschéens, parce que justement Nietzsche serait un philosophe radicalement critique, etc., ils sont aussi dans le sac, et je les renvoie dans la côte à côte. Et moi, je pense qu'on ne peut être d'ailleurs ni Nietzschéen, ni anti-Nietzschéen. Voilà, c'est ça. Les anti-philosophes, vous ne pouvez pas considérer que le système d'appréhension les concernant, c'est d'être pro ou anti. C'est déjà être extérieur à leur pensée que de faire comme ça, parce que le seul point, c'est de savoir si vous entendez le témoignage. Et si vous entendez le témoignage, entendre le témoignage, c'est ça qu'il voulait, Nietzsche. Qu'on entende son témoignage. D'ailleurs, les dernières lettres, c'est frappant. Il écrit à la terre entière, vous savez, mais est-ce que vous m'entendez ? À Bismarck, même, il écrit. Est-ce que Bismarck entendait Nietzsche, vous vous rendez compte ? À la rigueur, le cheval mourant de Turin entendait Nietzsche. Là, oui, quand mais Bismarck... Et puis même, il écrivait à tout le monde, et on sent bien que c'était pas pour leur dire « j'ai un programme », etc. Il disait « mais est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous entendez ce que je dis ?» Et il écrivait de façon désespérée, et quand il s'est convaincu, je pense que c'est sur le malheur final, ça, il s'est convaincu à un moment donné qu'en réalité personne ne l'entendait. Les derniers moments sont ceux où vraiment... Il s'est convaincu qu'en tout cas, la marchande des quatre saisons de Turin, là, dans la rue, elle l'entendait, lui, peut-être. Les autres auxquels il écrivait. Et finalement, je vois que le désespoir final de Nietzsche, c'est quand il n'a plus rien dit. Moment, il ne dit plus rien, voilà, il se tait complètement. C'est quand il s'est convaincu que, son témoignage n'était pas entendu et qu'il a confié ce témoignage à un avenir indéterminé. Et heureusement, Alain Badiou est là. Oui, enfin bon. Pour témoigner. Merci. Mais le pire de Nietzsche n'a pas été finalement que sa parole n'a pas été entendue. Alors ça, c'est qu'elle a été surentendue. On en a fait en vérité un prophète. Oui, on en a fait un prophète. On en a fait. Elle a été surentendue. Elle a été orchestrée. Elle a été etc. Et il réapparaîtrait, il écouterait ce qu'on a raconté de lui, il serait obligé de d'écrire un volume de témoignages gigantesque pour expliquer que tout ça n'a aucun sens et qu'on a entendu absolument de travers. Ça, c'est sûr. Quand tu verrais les Allemands défiler au Pâques annoncé au nom de Nietzsche, ça, la plus parfaite horreur. Par contre, moi, le français, ce serait peut-être... Bien, merci Alain Badiou, merci à tous.